こいっちょ。ប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាហើយជាបន្តនេះឲ្យមានផ្ដល់អបិទការជូនទៅក្រមវិទ្យាការវិក្តីលោកលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសតាំងជំនួយដេញដោលចំពោះស័ក្តិសិទ្ធិអង្គធំហឿងសូមអញ្ជើញMerci Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour également à Mesdames et Messieurs de la Chambre, à l'ensemble des partis. Et bonjour Monsieur Ong Tong-eung. Je m'appelle Ong Tagise et je suis avocat international de Monsieur Khieu Samphan. Je tiens en préalable à vous dire que mes questions ne seront pas très longues. Il s'agit simplement d'avoir quelques précisions sur vos déclarations antérieures et également certains passages de votre livre « J'écris au Khmer Rouge ». Premier point, à l'audience du 7 août dernier, vous avez indiqué que c'était la première fois dans cette salle d'audience que vous voyez de visu Monsieur Khieu Samphan. Est-ce que vous confirmez?ការនៅខ្ញុំនៅពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់ម្ដងឃើញគាត់ជិះរថយន្ត Citroën ជាមួយលោកហ៊ូយុនខ្ញុំប្រហែលជានៅវត្តលង្កាហ្នឹងខ្ញុំឃើញគាត់ទីចម្ងាយកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅក្មេងតូចនៅឡើយហើយជាលើកទី1ដែលខ្ញុំជួបមានវត្តមានមានកិត្តិយសជួបគាត់លើកនៅទីនេះOK. Pour être clair au niveau des transcripts, est-ce que nous sommes d'accord pour dire que vous-même et votre femme n'avez jamais vu que Khieu Samphan à Bang Trabek? ប្រពន្ធខ្ញុំមិនដែលឃើញលោកខៀវសំផនផ្ទាល់នៅបឹងត្របែកទេMonsieur le Président, avec votre autorisation, je souhaiterais que l'on puisse montrer àMonsieur le témoin, son audition E3-97, avec la permission de Monsieur le Président, donc que Monsieur l'huissier puisse lui remettre l'original en français, et je donne les ERN, la page qui m'intéresse, et la page 12 en français, ERN 00-24-1-8-89 en Khmer, et je demanderai à ce qu'on puisse afficher cette partie pour le public. 00-27-07-01 et en anglais 00-28-71-09. Si Monsieur l'huissier peut remettre la déclaration en français, qui est la langue originale de la déclaration témoin, j'en lui en saurai gré. Je vais vous dire que vous avez dit 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 que v
computer. Alors, monsieur le témoin, pour que je puisse vous expliquer la façon dont je vais procéder, je vais vous lire deux extraits de cette déclaration à la page 12, donc en français, et ensuite je vais vous poser des questions dessus. Ce document E3-97 est la déclaration du 22 novembre 2008 que vous avez livrée devant les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. Et je vais donc vous lire une première partie. Elle est surlignée sur votre exemplaire. La partie qui m'intéresse donc est l'avant-dernière question de l'enquêteur et la première partie de votre réponse. Voilà ce que l'enquêteur vous dit. Je voudrais vous montrer un document écrit en français, enregistré par la Cour sous le numéro 001-42162. Pouvez-vous me dire si vous reconnaissez cette déclaration? Votre nom apparaît. À ce moment-là, vous lui répondez: je n'ai jamais vu ce document et j'en prends connaissance pour la première fois. J'ai noté quelques erreurs que je vais vous signaler. Donc ça, c'était la première partie que je voulais vous relire pour vous rafraîchir la mémoire. Et j'en viens maintenant à la seconde partie, toujours sur la même page en français. Par contre, en Khmer, l'ARN est le suivant: 00-27-07-02. Et là, ce qui m'intéresse, c'est la dernière partie de votre réponse, où vous indiquez: je précise que je tiens à contester ce document que l'on ne m'a fait ni relire, ni signer, et qui ne reflète que partiellement ce que j'ai dit. J'en viens, monsieur le témoin, maintenant aux questions que je veux vous poser en relation avec cette partie de déclaration. Il ressort que lors de votre rencontre avec les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction, vous avez contesté la teneur d'un document qui vous a été présenté. Ma première question est la suivante: à qui avez-vous donné l'entretien qui a conduit à cette déclaration que l'on vous a présentée? Khnyom ot ban phiphasa chmuoy nea na te ko khnyom kon khoeng aekasa nang khnyom ko me khnyom ko banchea prab tha khnyom ot ban niyei doch neh te pi proh ve khos pi avay avay da khnyom sasei knong sapheu khnyom hay ve khos avay avay da khnyom ban tutuol skol trop ban tutuol skol mok. Alors, monsieur le témoin, je voudrais une petite précision sur votre réponse. Vous dites que vous n'avez eu aucune discussion avec qui que ce soit. Est-ce que, avant d'avoir eu cet entretien avec les membres du bureau des co-juges d'instruction, vous avez rencontré d'autres personnes en relation avec l'affaire qui nous occupe aujourd'hui? Nhưng xong nè sợi mê tí bánh chạy khi nhóm đà khi nhóm chấm cứ khi nhóm bán chuộp nè đầm náng sớp ứng kết rồi bò tù lá cá mà đòn khi nông chân nam phải chì khi nông chân nam phí bòn phẩm phẩm hai ai cái xa ní chư chìa khi nhóm túc ai cái xa ní chìa ai cái xa mô than. Để
de khnyom mok ni Pour que vous soyez parfaitement rassuré, monsieur le témoin, j'ai l'intention de vous montrer la première déclaration que vous avez contestée. J'essaye de procéder de façon pas à pas, lentement, pour que ce soit bien clair pour les transcripts. Donc, vous indiquez que vous avez eu un entretien avec des membres du bureau des coprocureurs, quelque part en 2007. Est-ce que vous vous souvenez où a eu lieu cet entretien? Est-ce que cet entretien s'est déroulé dans un bureau, enfin en tout cas dans un lieu officiel, ou est-ce que c'était ailleurs, dans un autre endroit? Est-ce que le jour de cet entretien, les personnes qui vous ont interrogé vous ont indiqué qu'il donnerait lieu à une déclaration écrite qui serait produite devant la cour? Est-ce que, à la suite de cet entretien, ces personnes du bureau des coprocureurs vous ont rappelé pour vous faire relire la déclaration prise ce jour-là? Et est-ce que vous avez été en mesure d'apporter les corrections éventuelles? Excusez-moi, monsieur le témoin, je pense que l'erreur vient de moi. J'aurais peut-être dû procéder autrement. Je vous demande simplement de mettre de côté pour le moment cette déclaration. Je vous ai déjà fait lire les parties qui m'intéressent, la déclaration que vous avez devant vous. Ma question avait trait à un entretien avec les membres du bureau du coprocureur avant cet entretien avec le bureau des co-juges d'instruction. Je ne sais pas si vous faites la différence. Vous avez livré un entretien en 2008, qui est celui que vous avez sous les yeux. Vous avez fait référence une première fois à un premier entretien qui a eu lieu en 2007. Les questions que je pose ont trait à ce premier entretien de 2007. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce
J'entends bien, monsieur le témoin, mais ma question précise était de savoir si avant l'entretien qui a donné lieu au document que vous avez actuellement sous les yeux, si vous avez eu un autre entretien avec d'autres personnes avant 2008. C'est ça ma question. ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបាទខ្ញុំបានជួបហើយជាបានជួបមែនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមយកឯកសារនេះជាមូលដ្ឋានហើយក្នុងពេលប្រជុំឡើងជួបជួបអ្នកតំណាងអង្គតុលាការគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ខ្ញុំថាខ្ញុំសូមយកការប្រជុំការជួបឆ្នាំ2008នេះជាមូលដ្ឋាន J'ai bien compris, monsieur le témoin. Ma question n'est pas de savoir quel document vous allez utiliser comme référence. Ma question était de savoir si avant l'entretien qui a donné lieu à ce document que vous avez actuellement sous les yeux, c'est-à-dire le E3/97, si vous avez eu un entretien avec d'autres personnes. Donc c'est les entretiens antérieurs qui m'intéressent pour le moment. ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបាទខ្ញុំបានជួបខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរម្ដងម្ដងមានអ្នកមកជួបខ្ញុំជាញឹកញយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានចាំថាខ្ញុំបានជួបហើយធ្វើអ្វីប៉ុន្តែខ្ញុំជាក់ស្ដែងគឺដែលធ្វើក្នុងនាមតុលាការគឺខ្ញុំចាំថាច្បាស់លើកតែលើកទី1ឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែពីមុនខ្ញុំមិនច្បាស់ Tout à l'heure, en répondant à une de mes questions, vous avez évoqué une rencontre avec des personnes en 2007. Est-ce que vous vous souvenez de cette rencontre ? របស់លោកជាមួយអ្នកណាម្នាក់នៅឆ្នាំ2007នេះខ្ញុំថាបានជួប ប៉ុន្តែ ខ្ញុំមិនដឹងជាជួបក្នុងលក្ខខណ្ឌអីខ្ញុំមិនបានចាំ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតហើយសិនគឺក្នុងករណីណាក៏ដោយ ក៏ពេលជួបក្នុងឆ្នាំ 2008 ខ្ញុំដល់គេយកឯកសារនោះមកឲ្យខ្ញុំ ក៏ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំ ទទួលស្គាល់តែការជួបឆ្នាំ 2008 នេះទេ Monsieur le Président, pour rafraîchir la mémoire du témoin, je souhaiterais que l'on puisse lui présenter maintenant l'annexe 1 à cette déclaration. Et je vais vous donner tout de suite les ERN. Donc en français, l'ERN est le suivant. 001-42-162. Une traduction de ce document existe également en anglais. Et l'ERN est le suivant. 00-23-99-87. Et en Khmer, et je demanderai également à M. le Président l'autorisation de l'afficher à l'écran, le 00-17-83-30. Et
Avec l'assistance de M. l'huissier, je souhaiterais remettre l'original en français, version papier, au témoin. Pendant que vous consultez le document, monsieur le témoin, je souhaiterais savoir si ce document que vous avez actuellement sous les yeux est bien le document qui vous a été montré lors de votre entretien avec les enquêteurs des co-juges d'instruction, celui pour lequel vous avez indiqué que vous contestiez le contenu. Il y a un point particulier sur lequel je voudrais revenir au sujet de ce document. C'est le passage que j'ai surligné et qui dit ceci. Yang Sari et Kyo Sampan venaient à Bong Trabek pour présider des réunions politiques. Moi, j'ai vu Yang Sari venir vers octobre 1978. Ma femme y a vu Kyo Sampan. Sommes-nous d'accord, monsieur le témoin, que cette partie de cette déclaration ne correspond pas à ce que vous avez dit? Et précisément, monsieur le témoin, peut-être que maintenant mes questions vont être plus claires à votre esprit. L'entretien qui a fait l'objet de cette déclaration dont vous contestez le contenu, est-ce que vous vous en souvenez? Et savez-vous avec qui il s'est déroulé? Nhưng mà làng vĩnh mà đoàn hay mà đoàn tiết hai đôi mà đách ban chìa khi nhầm này dễ chẳng hay cái rình cái đạ thạc cái sở xế thạc nhầm này dễ chẳng đôi chẳng vì ọt chô lơ ca bật ý bà chắc mình nam pi bòn phẩm bấy nhầm bị chạy hay bị chạy tiết thạ nhầm ọt đùa sổ ai cái xa ni tì. Vous dites
peut-être ne pas avoir de souvenirs très clairs de ce premier entretien. Est-ce que vous savez cependant avec quelle personne vous vous êtes entretenu ce jour-là? Et si, à tout le moins, ces personnes se sont présentées à vous? Et est-ce qu'il est donc juste de dire que vous n'avez jamais eu l'occasion d'apporter de rectification avant votre entretien avec le bureau des co-juges d'instruction cette fois-ci? Tout à l'heure, je vous ai lu un passage de votre déclaration devant les co-juges d'instruction où vous contestiez la teneur de ce document. J'ai besoin d'être sûr que, avant d'obtenir ce document de la part des co-juges d'instruction, vous ne l'avez jamais eu en main et vous n'avez jamais eu la possibilité d'apporter des corrections. Je vous remercie, monsieur le témoin, de votre éclairage sur ce point. Pour être précis par rapport à la réunion, vous avez indiqué dans le cadre de votre témoignage devant cette chambre, et vous l'avez rappelé encore il y a quelques minutes, votre épouse, elle, a vu M. Kyo Sampan, mais a priori à K15. C'est bien ça, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Et si j'ai bien suivi votre déposition devant cette chambre, à cette époque-là, vous n'étiez pas encore rentré au Cambodge, c'est bien cela? J'en ai terminé, monsieur le témoin, sur cette partie, sur cette déclaration et de 2008 et de 2007. Et pour les transcriptions, je voudrais indiquer à la Chambre que l'intégralité des erreurs relevées dans cette annexe 1, déclaration de 2007, il y a au dossier les procès verbaux de transcription de l'entretien audio avec le témoin sous la cote
D141-1.3. Monsieur le témoin, je voudrais maintenant revenir avec vous sur certains passages de votre livre intitulé « J'ai cru au Khmer Rouge » pour avoir quelques précisions, si vous le voulez bien. Tout d'abord, quelques questions préalables. Si j'ai bien compris la méthodologie que vous avez utilisée pour la rédaction de cet ouvrage, vous avez pris d'une part des notes de votre épouse, d'autre part des notes personnelles, et par ailleurs, vous avez effectué quelques recherches. Est-ce que j'ai bien compris la méthodologie ? En ce qui concerne les recherches que vous avez effectuées, est-ce que vous les avez effectuées dans des ouvrages d'autres auteurs ? Est-ce que vous avez livré des entretiens avec certains témoins de l'époque ? En gros, quelles ont été vos sources ? Je vous remercie de ces clarifications. Je voudrais en venir plus précisément maintenant à des parties précises de votre ouvrage et toujours avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais que l'on puisse soumettre à Monsieur le témoin. Alors évidemment, je n'ai pas copier l'intégralité du livre, mais uniquement les passages que j'entends utiliser. Et le premier passage que je souhaite utiliser de ce livre, dont la cote générale est le D141-1.2, le premier passage que je souhaite utiliser figure donc dans la version française, page 20 et 21. Donc tout d'abord, page 20, ERN 00, donc ERN français, hein, 00 28 78 99, ERN en Khmer 00 83 10 78, et je n'ai malheureusement pas de RN en anglais, puisqu'a priori, il n'existe pas. Donc avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on affiche le RN, enfin la page en Khmer, et que l'on puisse remettre, avec l'aide de Monsieur l'huissier, je suis désolée de solliciter autant, la partie en français que Monsieur le témoin pourra avoir sous les yeux en version papier.
Monsieur le témoin, je pense que vous avez la version française sous les yeux. Donc le passage qui m'intéresse se trouve donc à la fin de la page 20 et se poursuit, pardon, sur la page 21 et se lit comme suit. En 1956, Kyo Sampan succède à Yeng Sari à la tête du cercle Marx-Lénine et de l'UEK. L'un de ses compagnons parle de Kyo Sampan comme un militant actif, passionné et discipliné, mais dépourvu de personnalité propre. Il serait un suiveur pour qui la hiérarchie a toujours raison. Monsieur le témoin, je voudrais savoir, pour cette partie de votre ouvrage, quelles ont été vos sources? Est-ce que vous pouvez citer des noms, monsieur le témoin, préciser quelles sont les personnes avec lesquelles vous avez eu cet entretien? J'ai bien compris, monsieur le témoin, je voudrais savoir de qui vous avez obtenu ces informations, si vous vous, vous rappelez les noms de ces personnes. Ces entretiens qui vous ont permis d'avoir cette description de Kyo Sampan, est-ce que vous vous souvenez à quelle période vous les avez eus? Alors justement, en parlant de publication et d'édition, votre ouvrage a été publié en français en 2003 et je crois savoir qu'il est maintenant disponible en khmer et que la publication en khmer date de 2006. Ma question est donc la suivante. Est-ce que c'est vous qui vous êtes chargé de la traduction et de la relecture de l'ouvrage en khmer ou est-ce que c'est une autre personne? J'aurais dû penser
la première fois, et je m'en excuse, Monsieur le Président, enfin surtout Monsieur l'huissier, je voudrais que l'on puisse remettre la version Khmer à Monsieur le témoin des extraits que j'entends utiliser, parce que si j'ai bien compris ce que les membres de mon équipe khmérophone m'ont indiqué, il semble qu'il y ait une erreur, en tout cas, enfin, il y ait une difficulté entre les deux versions, et je voudrais que l'on puisse clarifier. Est-ce que, avec l'autorisation de Monsieur le Président, on peut mettre la version papier en khmer au témoin? Donc, sur la version en Khmer, à la page donc 008, enfin l'URN 00831078, il me semble que ce n'est pas le nom de M. Kyo Sampan qui figure, mais le nom de M. Yang Sari. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, indiquer à la Chambre s'il s'agit d'une erreur d'impression? Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas une objection, mais dans le paragraphe que Maître Guisset a lu, les deux noms apparaissent en français, donc peut-être la question pourrait être reformulée pour savoir à quel endroit exactement il pense que les deux noms auraient été interchangés. Merci. Monsieur le témoin, je ne sais pas si ça vous dérangerait de lire en khmer ce qui est écrit, mais moi, le passage qui m'intéresse, c'est en 1956, donc ce que je vous ai lu en français. Dernier paragraphe, je suis malheureusement mal placé pour vous donner la référence en khmer sur la page, mais en tout cas, c'est en 1956 que Sampan succède à Yang Sari à la tête du cercle Marx, Lénine et de l'UEK. L'un de ses compagnons parle de Kyo Sampan comme un militant actif, passionné et discipliné, mais dépourvu de personnalité propre. ឯកសារខ្ញុំបានជាភាសាខ្មែរហើយឯកសារដែលខ្ញុំនិយាយជាបារាំងហៅប្រឡូកវាខុសគ្នាឯកសារដែលខ្ញុំបានជាភាសាខ្មែរគឺជាឯកសារនិយាយតាក់ទងនៅរឿងដែលព្រឹត្តិការណ៍មួយផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំនៅរោងចក្រដល់2ហើយឯកសារនេះជាឯកសារដែលលោកមេធាវីដ៏មហិមាប្រាប់ខ្ញុំនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងដែលខ្ញុំធ្វើនៅសិក្សាពីរឿងធ្វើទឹកដីសង្ខេបពីជីវប្រវត្តិនិស្សិតខ្មែរនៅស្រុកបារាំងOui, excusez-moi, monsieur le témoin, l'erreur vient de ma part. Je vous ai donné une mauvaise page en khmer, apparemment. Monsieur l'huissier, encore une fois, désolé. Est-ce que vous pourriez récupérer la bonne page en khmer que monsieur le témoin puisse avoir la bonne référence ?
Normalement, monsieur le témoin, la partie est surlignée sur le document que vous avez maintenant sous les yeux. Très bien. Ces informations sont très utiles puisque nous travaillons dans les trois langues de travail et qu'il est important que chacun puisse avoir une bonne version. Donc, Monsieur le Président, pour la version Khmer, sachez qu'il y a une erreur dans la partie du document que je viens de citer. Pour en terminer sur la manière dont vous avez écrit votre livre, est-ce que le premier jet de manuscrits que vous avez fait était en Khmer ou en français? Donc, nous sommes d'accord que c'est la version française qui fait foi. Je vous remercie de ces précisions. Je voudrais maintenant en revenir à un autre passage de votre ouvrage. Il s'agit de la page 77 en français, ERN français 00-28-79-56, ERN en Khmer 00-83-1-1-34. Et malheureusement, toujours pas de RN en anglais. Le passage qui m'intéresse pour le moment est un dialogue que vous relatez avoir eu avec un certain Bun Run. Je vous prie de m'excuser pour la prononciation. Et en substance, voilà ce qu'il vous dit. Il vous demande: tu sais qui est le secrétaire Pol Pot? Réponse: non. Et il vous indique à nouveau: c'est ça le tsar, un génie. Même les Chinois disent qu'il peut être comparé à Mao. Première question sur ce passage: est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre qui était Bun Run? Bun Run ni chien ni sat mok pi
ប្រទេសអាល្លឺម៉ាញខាងកើតហើយសពថ្ងៃគាត់ស្លាប់ហើយ En ce qui concerne les propos qu'il tient sur Pol Pot dans cet échange, il témoigne d'une certaine fascination pour le personnage. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez eu l'occasion de constater cette même fascination pour Pol Pot auprès d'autres intellectuels durant cette période-là ? ចំពោះអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែរឬទេអ្នកដឹកនាំផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែរឬទេខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាំដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាន Alors, je vais peut-être reposer ma question parce que, en français, je ne comprends pas bien votre réponse. Je vous demandais si vous aviez, en dehors de Bunran, rencontré d'autres intellectuels qui ont parlé de Pol Pot avec cette même fascination, ce même intérêt pour le personnage. Nhóm tay lưu sâu chia rươi rươi chẳng nè đè mật phẹt đè bàn từ chinh từ thưa cá chia môi bong pha ôn khám ai krai pi krai pi chùm rung ọp rung rồi bò dương chùm rô nâu Quand vous dites que vous avez entendu des amis parler avec d'autres personnes ailleurs que dans le camp de rééducation, est-ce que vous pouvez préciser si c'était entre 75 et 79 ou si c'était ultérieurement ? ខ្ញុំ ចង់ និយាយ ពី មុន 1979 បាន Je vous remercie. បាទសូម អរគុណ À la page suivante, en français, donc ERN 00287957, en Khmer 00831111, je crois que c'est 34 ou 35, je suis désolée, je n'ai plus la bonne référence, mais c'est entre les deux, puisque la partie qui m'intéresse est sur deux pages. Donc, vous poursuivez, vous relatez la suite de votre conversation avec Bunrun, et là, vous lui demandez, et que Sampan, que fait-il ? Et voilà ce qu'il vous répond. Tu sais, il n'est pas même membre du bureau politique du Parti communiste du Kampuchea. C'est le huitième seulement dans le rang du parti. Quant à Ouyun et Minim, n'en parlons pas, ils ne pèsent pas lourd dans l'organisation.
Alors, première question, sur cette partie, est-ce qu'il s'agit de la reproduction exacte de la conversation que vous avez eue avec cet homme ce jour-là? Est-ce qu'il s'agit d'une conversation dont vous avez pris note dans les carnets que vous avez évoqués, qui vous ont aidé à rédiger cet ouvrage? Si je comprends bien, cette conversation ne figure pas sur vos notes, c'est bien ça? Pour information, est-ce que vous avez conservé ces notes qui vous ont aidé à rédiger cet ouvrage? Et en ce qui concerne Bun Run, qui vous parle du bureau politique du PCK, est-ce que vous savez d'où il tirait ces informations? Alors justement, puisque vous abordez la question du secret, vous indiquez toujours sur la même page en français, donc ce sont les mêmes références. Me conformant aux consignes du secret, je me contente de l'écouter sans oser me montrer trop curieux. À l'attention de la Chambre et pour les besoins de la transcription, il me semble que ce passage n'apparaît pas texto dans la version khmer. Vous évoquez donc, monsieur le témoin, les consignes du secret. Est-ce que cela fait partie des consignes qui vous ont été données lorsque vous êtes arrivé au Cambodge? De quelles consignes parlez-vous? Je vous remercie. Je voudrais maintenant passer à un autre passage de votre ouvrage. En français, il s'agit de la page 206. ERN 00
28 80 85 en Khmer 00 83 1 2 4 0 et en anglais puisque cette fois-ci il existe 00 7 8 5 8 6 9. Donc je voudrais qu'on puisse afficher la version Khmer à l'attention du public. Et je vais vous lire un premier bout de paragraphe. Page 206 de votre livre, vous évoquez à nouveau les faits de Pol Pot et vous dites « Cette tribune de l'éducation est une nouvelle émission de la radio du Kampuchea démocratique. Bien qu'il n'ait jamais été précisé que c'est Pol Pot en personne qui parle en direct à la radio tous les jours à 6 heures du matin, tout le monde le sait. Et ceux qui l'ont rencontré le confirment. Il y a une semaine, un certain nombre d'entre nous, de formation technique, avaient été choisis pour assister à une conférence du secrétaire du parti à la salle de Chaktomouk. Le but de cette réunion était d'annoncer l'ouverture de l'Institut technique. À cette occasion, ils ont pu le voir pour la première fois et écouter son exposé en direct. Certains ont été impressionnés par sa personnalité et son art de la persuasion. Je m'arrête là pour le moment. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter directement avec les personnes qui ont assisté à l'exposé de Pol Pot? Peut-être que je devrais au préalable vous poser une autre question. Est-ce que vous avez vous-même assisté à cet exposé de Pol Pot? គេអត់បានខ្ញុំអត់មានឈ្មោះទៅស្ដាប់លោកប៉ុលពតទេប៉ុន្តែមិត្តភក្តិដែរទៅឃើញលោកខៀវសំផនមកទៅពេលជុំគ្នាទាំងអស់លោកខៀវសំផនមកហើយគាត់ឈរដូចគេដូចឯងអត់មានពីណាទទួលគាត់ដូចទុកកៅអីជូនគាត់ហើយដល់ដូច្នេះអ្នកមកពីបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាចំបើគាត់ប្រមុខរដ្ឋមាននីតិជាប្រមុខរដ្ឋអញ្ចឹងគាត់ Alors, pour être clair hein, par rapport à votre réponse, quand vous indiquez que il n'y avait pas de fauteuil qui lui avait été réservé, vous parlez de Khieu Samphan, c'est bien ça? Je poursuis la lecture de ce paragraphe et vous allez pouvoir compléter votre réponse. Donc toujours sur la même page, vous dites « À l'évidence, Khieu Samphan, dont l'influence a pesé lourd dans leurs engagements politiques, n'est qu'un homme de paille, une marionnette dans les mains de Pol Pot. Est-ce des propos qui vous ont été rapportés par les personnes qui ont assisté à ce fameux discours à l'ouverture de l'Institut technique?
Est-ce que vous vous souvenez de nom de ces personnes qui vous ont tenu ces propos-là? Mais vous vous souvenez avoir eu cette conversation avec une ou plusieurs personnes? Et pour être plus précise, c'était avec une seule personne ou plusieurs personnes? Monsieur le témoin, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et ceci marque la fin de mon interrogatoire. អរគុណហើយលោកអង្គតង្ហឿងការស្ដាប់តខៃកាប់របស់លោករហូតដល់ពេលនេះបានចប់ទៅគ្រប់ហើយហើយលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរឋានរបស់លោកឬក៏គូដៅរបស់លោកមានបំណងទៅបានហើយអង្គជំរះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិកដល់សែនឆ្ងាយហើយនឹងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញមកផ្ដល់តខៃកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំរះក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃកន្លងមកនេះហើយដែលលោកបានខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពសក្តិការបស់លោកនឹងអាចរួមវិភាកទីននៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅរឿងក្តីនេះហើយសូមលោកជួបតែតំណាងល្អនឹងធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការតំណាងរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គភាពកងពីសក្តិសិទ្ធិនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសក្តិសិទ្ធិរូបនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងដែលគាត់ទស្សនៈនៅឬក៏កន្លែងដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយអ
ហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការនៅពេលលេ 3:00 សូមឲ្យអញ្ជើញសាក់សីសួងទីគឹនចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដោតកិច្ចកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សាមណការនេះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ